Et salut tout le monde! Enfin, tout le monde, non, pour le moment, il n'y a pas grand monde, je pense, mais bon, le temps que les personnes se connectent. Ok, le match devrait plus tarder à commencer, on devrait plus tarder à m'inviter. Hop. Tac. Voilà. Je vais faire ça comme ça, ce sera mieux. Voilà. Hey you Everlast. Comment ça va? Ah voilà, tu vois, j'avais dit. Hop, ça y est, on m'invite. Bah bien bien. Prêt à caster et à regarder ce match qui à mon avis va être un très très gros match. Le gars qui est toujours censuré sur Rocket League. Ça gagne quoi? La BO. Bah en gros là ils sont tous en match de poule en fait. Poule A, poule B pour les qualifications après. Pour tout ce qui est quart de finale, semi-finale et tout. Attendre que l'équipe line-up 6 arrive avant de pouvoir lancer. Ouais, toujours en BO5 là. Non, non, c'est pas moi, c'est on va dire tout le membre du conseil de la Reaper qui a lancé le tournoi. Avec des crédits à la clé. Un petit tournoi interne, ça permet à tous les joueurs de se rencontrer sur le terrain et puis des fois ça peut des fois, on peut trouver des. On peut être étonné des fois. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis compris. En gros, par exemple, c'est parce que t'as une équipe qui est C2 qui va jouer des GC que les C2 peuvent pas s'en sortir, quoi. Peut y avoir des surprises, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais. Un peu. Dodon. Ah, et puis moi je suis là pour le cast. T'inquiète pas, il le verra dans la VOD. Suis là aussi, bien. Bah ben voilà. C'est pas bien de stream avec Dodon, hein. Avoir des infos là sur les joueurs et tout. GG ça. Ah, ça y est, là, les joueurs qui commencent à arriver.
MDR. Dans la shop. Ah oui, ça j'ai déjà vu. Ah, ça y est, tout le monde qui commence à être là. Je crois que tout le monde est là d'ailleurs. Ah, tout le monde est là. Merci pour le follow, Itsukawa. Comment il va? Le bro. Ça va super, écoute. Ah mince, j'ai pas répondu. Eh, ça a lancé là les gars, on est parti pour un gros match encore là ce soir je pense. Donc là on rappelle quand même que la line upset quand même a déjà gagné ses deux premiers matchs. Qu'on réussit à... Encore ici, on va dire, à percer un peu là, pour le début de ce tournoi. Là, ils vont jouer un match contre une line-up GC2 qui a plus l'habitude de jouer ensemble. Parce que du coup, là, la line-up, on va dire, Dodon Ace Viking est un peu plus récente. Donc même s'ils arrivent à se trouver sur le terrain, c'est pas une équipe qui a forcément l'habitude de jouer énormément ensemble, contrairement à Matteo, Liorzor et Rivers, qui eux jouent ensemble depuis un petit peu plus longtemps. Donc il y a moyen que ça crée des folies sur le terrain. Après, voir quelle équipe arrivera à se démarquer de l'autre. Je pense que ça promet du lourd. Si en tout cas le match veut bien se lancer, bien sûr. Allez, c'est parti, je me mets en spectateur. Ah, je suis tout seul. Ah, pourtant il y a tout le monde. Enfin, ah non, il manque des joueurs. Ah, ils essayent de relancer, je crois. C'est qui a pas rejoint? C'est Dodon. Je crois que tout le monde est là, là, ça y est. Ça y est. Allez. Après un petit problème avec les matchs privés, hein, c'est toujours comme ça. On va pouvoir enfin commencer ce match. Ce premier match de BO. Qui oppose donc la line-up 7 à la line-up 6. Allez, donc ici. Un premier challenge. Qui donne une balle flottante. Dodon là sur le clear, Mathieu qui a peut-être turn ou qui va jouer le boost, on ne sait pas trop, voilà il joue la balle. La Viking qui va réussir à contrer, mais Rivers qui prend une jolie démo sur Ace. La Dodon, Liorzor qui décide de temporiser Mathieu pour cette défense backboard. La Mathieu qui a peut-être un coup à jouer, Ace qui tente de contrer mais ça ne passe pas. Allez Liorzor là sur ce wall va peut-être jouer un jeu mécanique, peut-être collectif.
Todon qui cut cette action. Allez, là peut-être un open pour cette équipe bleue, mais Matillo qui arrive à temps pour contrer cette balle. Viking sur la relance. Berserk qui clear, Ace peut-être, là qui va jouer sur, sur Dodon. Non, il va peut-être tenter de jouer tout seul et part sur le mur, mais c'est Reverse là qui lance une contre-attaque, qui fait un beau tir. La Lurzor qui tente de la remettre en jeu pour son équipe. Ace qui va remettre en jeu sur Viking. Viking sur Dodon. Alors, belle offensive encore une fois. Le beau jeu en triangle de leur part, on connaît. Allez, Ace là qui prend le compte, qui permet à son équipe de continuer d'attaquer. Reverse qui tente de contrer, mais ça passe pas. Matteo là qui tente pareil encore une fois de dégager ce ballon. Viking qui prend un tir, mais Reverse qui arrive à prendre cet arrêt. Dodon là qui va tenter peut-être un geste solo, il reste sur le ceiling, ok. Lurzor là qui peut peut-être potentiellement donner la contre-attaque à son équipe. La Reverse qui prend le clear ici. Ace qui tente, mais ça ne passera pas. Reverse qui arrive à passer Ace qui était quasiment dernier défenseur. Voilà, ça joue déjà beaucoup plus vite. Hein. Allez, la Viking ici. Petit commit de la part de Dodon. Attention là, cette balle très dangereuse pour l'équipe Orance. Reverse peut-être qui pourra donner une contre-attaque à son équipe. Matillo tout de suite là sur ce tir. Ok, mais c'est intercepté par Matillo. Dodon encore une fois qui retire cette balle backboard. Matillo sur la reprise. Là l'équipe bleue qui commence à être acculée par cette équipe orange. Là ici Ace qui joue un beau contre qui permet encore une fois à son équipe de garder l'offensive. Là Matillo je pense qu'il va donner une contre-attaque à son équipe. Viking qui arrive à prendre un contre, mais Dodon qui malheureusement rotate dans le mauvais sens et donne la balle quasiment à l'adversaire. Mais ça va, il arrive à rattraper son erreur. Matillo qui là permet un centre, mais malheureusement ça ne donnera rien. Allez ici Ace qui va peut-être pouvoir donner un centre, mais c'est contré par Reverse. Reverse qui a un coup à jouer ici. Viking qui se retrouve tout seul. Allez, donc c'est dégagé carrément dans le camp opposé. Ace ici là qui fait une belle passe pour Viking, mais ce sera contré. Là, Dodon sur ce mur qui arrive à passer, mais ce sera récupéré par Matteo. Même pas Dodon qui arrive à la relancer pour Ace. Ace qui refait encore une fois la balle sur Dodon, mais ça passe pas. Lurzor ici qui va peut-être pouvoir jouer un move, mais malheureusement il en marche arrière. Il arrive quand même malgré tout à gagner son contre. Et Matteo qui arrive à récupérer ce ballon et quasiment entrer une double tap. Là, Lurzor qui remet la balle en jeu pour Reverse. Reverse qui malheureusement rate ce tir et qui permet un open probablement pour l'équipe bleue. Et ici Dodon qui arrive à passer Lurzor et effectivement. Effectivement, c'est le but. Dodon qui a réussi à bien jouer, à temporiser un peu pour, on va dire, pour brain son adversaire. Allez, donc là c'est parti. Le kick-off Viking sur Reverse. La Matteo qui aurait pu relancer cette balle, mais il est bump. Bien joué de la part de Dodon qui joue sur Ace. Ici la Viking qui va devoir prendre un arrêt quand même assez difficile. Reverse qui remet en jeu pour son équipe. Mais c'est finalement Viking qui la rejoue sur Dodon peut-être ici. Mais c'est encore une fois contré. L'angle était caché, il a pas pu tirer. La Matteo ici qui joue sur Lurzor. Lurzor peut-être sur cette redirect. Mais non, c'est Viking qui arrive à prendre l'arrêt. Allez, Matteo là tout de suite qui tire, mais Ace bien sûr, et effectivement qu'il était bien placé pour prendre l'arrêt. Lurzor qui retente encore une fois de mettre la balle en jeu. C'est Matteo qui tire, mais ça ne passera pas. Un petit manque de réussite là pour l'équipe orange. La Dodon ici sur cette double tap qui termine en passe pour Viking. La Ace qui intercepte ce ballon qui pouvait être très dangereux. Là attention, l'équipe Lurzor Reverse qui... Ça passe pas. Matteo qui tente un geste mécanique qui met Ace en difficulté, mais finalement ça passera pas. Ace arrive à déposer le ballon dans les roues de Viking et Viking qui arrive à dégager cette balle. Allez, Dodon là qui tente quelque chose, mais Reverse très à l'affût ici. Matteo malheureusement qui rate. Allez, Lurzor qui va devoir temporiser cette balle. Dodon sur Viking. Viking qui tente le tir, mais je ne pense pas que ça passe effectivement. La Reverse qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose, mais c'est Ace qui prend le contre. Et qui permet à Viking de marquer ce but. Là on peut revoir encore une fois cette action là, le compte de Ace qui est vraiment très bien exécuté et qui permet le 2v1. Allez, 2-0, 14 secondes. Je pense que le premier match est remporté pour la line-up 7. Allez, rien n'est joué.
Ici, la Viking qui rend un petit peu la balle, malheureusement. Bien intercepté de la part de Lurzor. Et quel arrêt incroyable de la part de Viking. La Rivers qui arrive à remettre la balle en jeu. Mais c'est Dodon qui s'élance et qui prend le contre sur Mathieu. Et c'est effectivement un premier match remporté pour l'équipe bleue. Et là, quel match, hein. Quel premier match. Allez, je me remets en spectateur sans plus attendre. Allez, ça commence. La Rivers qui va pouvoir prendre ce ballon, peut-être contrôler. Non, il fait une passe directement sur Lurzor. Mais c'est un Ace qui intercepte cette balle. Mathieu qui reprend le contre et c'est dégagé par Viking. Là, ici Rivers qui tente un clear qui permet une contre-attaque pour son équipe. Mais c'est Ace qui va empêcher la contre-attaque de se faire. Et c'est le shoot de Dodon. Mais Ace peut-être sur le redirect. Malheureusement, ça passe pas. Ici un petit manque de réussite. Allez là, Mathieu qui va défendre cette balle mais qu'il ne l'aura pas. Lurzor qui décide de prendre un clear. Viking bien positionné qui remet la balle en jeu. La Ace ici qui rate son contre et c'est Mathieu qui l'emporte. Allez, Viking qui va peut-être potentiellement clear cette balle. La Rivers qui fait une balle mid qui arrive à éliminer un joueur ici. Qui la rejoue. Lurzor qui va peut-être pouvoir faire un solo play ici. Qui élimine Ace qui joue sur Rivers. Mais ça n'ira pas plus loin. Là peut-être Dodon qui pourra faire un geste technique. Il a du boost, il a beaucoup de ressources. Et ça part sur une passe. Ouais, donc là on a pu voir l'équipe orange en difficulté ici sur... Et ben voilà, c'est Viking qui marque finalement. J'ai même pas le temps de commenter tellement il se passe de choses. On a pu voir la reprise de Viking ici avec une double tap quand même très très bien exécutée. Là ça va très vite, hein. Allez, on est reparti. Allez, Mathieu là qui annonce la couleur, qui veut porter son équipe. Lurzor ici qui malheureusement miss. Mathieu peut-être va jouer sur Lurzor. Lurzor qui va prendre le bump sur Ace. Mais malheureusement ça n'ira pas plus loin. Rivers qui fait une remise en jeu. Qui rate le tir malheureusement. Ici Viking qui arrive à éliminer un joueur. Dodon sur la redirect, ça passe pas. Ace peut-être ici avec son flick. Mais c'est pas assez fort. Allez, Rivers qui décide de rejouer ce ballon. Lurzor positionné au mid. Peut-être ici un open. Effectivement. Là, un bon positionnement de la part de Lurzor sur le miss de Ace et qui permet de marquer ce but. Allez, on y retourne. Lurzor, encore une fois, là, très agressif après ce kick-off. Mais c'est Ace qui empêche l'action de se prolonger. Dodon ici qui arrive à prendre un pinch. Mais c'est intercepté par Mathieu qui arrive à donner une offensive, donner une balle pour Rivers. Mais c'est contré par Viking. Viking qui arrive à éliminer Lurzor. Mathieu qui se retrouve tout seul ici là sur cette défense qui arrive à prendre un clear. Mais c'est Ace qui va réceptionner bien sûr. Avec Dodon sur le tir. Mais ça ne passera pas. La Viking qui empêche toute contre-attaque. Lurzor l'a bien positionné qui arrive à intercepter cette balle. Ace qui pousse encore une fois avec un contre bien exécuté la balle au mid. La Viking qui temporise, peut-être un Dodon qui va réussir à marquer ça, mais non. L'angle était bloqué, il ne pouvait pas marquer cette balle. Allez, donc là, l'équipe orange va essayer de se dégager face à cette phase de siège assez conséquente. Rivers qui arrive à éliminer Viking, mais Ace ici qui arrive à reprendre de l'élan et dégager cette balle. Mais c'est Mathieu qui arrive finalement à empêcher la contre-attaque, qui a redonné cette balle pour son équipe.
Allez, là ici une contre-attaque pour les bleus, peut-être Ace qui part en air dribble, une passe into mid, mais il n'y a personne malheureusement. Allez, Viking minage là ici, mais c'est Rivers qui bloque l'offensive et c'est Dodon qui arrive à planter cette balle au fond des buts. L'équipe orange qui est en difficulté face à l'offensive de la line-up 7. Ouais, c'est parti. Ace qui remporte son kick-off. Mais c'est Matillo qui contre cette offensive. Yorzor ici peut-être, mais ça ne passe pas. Dodon qui a fait une mauvaise touch malheureusement. Yorzor ici pour Rivers. Et c'est un but très bien exécuté après un kick-off. Ah là, je pense que Dodon peut-être s'en veut sur cette touch. Yorzor qui a. Je pense qu'il a dû miss sa balle et qui a quand même permis au final. À son équipe de marquer parce qu'il était positionné en avant, qui a fait une très belle passe sur Rivers et Rivers qui a pu du coup mettre cet open. Allez, ici là, Matteo qui tente de passer Ace et ça passe. Mais Ace qui revient à la charge, qui ne se laisse pas faire. Là, Dodon ici qui va pouvoir wall clear, mais ce sera contré par Matteo. La Viking qui tente un tir qui ne passe pas. Viking encore qui tire et c'est un but. La défense qui n'arrive pas à suivre malheureusement. Donc là, Ace encore une fois qui remporte son kick-off. Matteo qui tente de contrer Viking mais ça passe pas. Rivers qui joue une balle au mid qui sera interceptée par Dodon. Là, Rivers qui arrive à clear peut-être sur Matteo. Ah, la balle pour Matteo. Mais c'est Viking qui va finalement contrer. Liorzor qui la remet en jeu pour son équipe. Ah là, le pinch de Ace qui passe pas. Liorzor qui arrive à centrer pour Rivers. Et ça encore une fois. Encore une fois la passe de Matteo sur Rivers. Qui per... Enfin de Liorzor sur Rivers qui permet un but. Ah, apparemment il y a des soucis dans la game. Va falloir changer de serveur apparemment. Allez, ici le petit bump sur Dodon qui permet à Matteo de pousser cette balle et même carrément de marquer. Voilà, voilà, on peut quand même voir le fair play de nos joueurs. À 22 secondes et un joué, à tout moment l'équipe bleue peut mettre un kick-off goal. Et ce sera finalement l'équipe orange qui mettra un kick-off goal. Ah, Viking qui était un petit peu en retard sur son kick-off malheureusement. Là, une balle, Viking qui va aller la jouer. C'est Ace qui la reprend, la dégager directement par Rivers. Dodon qui attendait patiemment en défense. C'était bien exécuté de sa part. Il avait à prendre une démo intéressante. Là, Dodon qui clear complètement opposé. Et ça marque une fin de deuxième match. Allez, ça va relancer. Voilà. GG, ouais, très beau deux premiers matchs, on va dire. Je vais dire quand même qu'on n'oublie pas le 1-1. Je relance en BO3 du coup, ouais c'est mieux. Je sais plus écrire ça, aberrant.
Voilà, donc je me mets en spectateur. Allez, donc là ça démarre tout de suite. Viking qui empêche l'attaque de se terminer. Dodon là qui va prendre un clear, qui va tenter un bump sur reverse, mais ça passe pas. La reverse qui va faire un centre pour Liorzor qui la remet en jeu pour Matteo qui malheureusement n'arrivera pas à marquer cette balle. Allez, peut-être une contre-attaque à jouer pour les Bleus, mais bloquée par reverse qui permet à son équipe de revenir dans l'offensive. La Matteo qui va jouer ce ballon, mais c'est Dodon qui le contre sur Ace qui prend un clear. Et reverse encore une fois qui bloque cette contre-attaque, mais malgré tout l'équipe bleue qui arrive à contre-attaquer. Allez, Matteo là dans les airs tout de suite pour ce ballon et qui marque un but. J'ai un peu de retard ou non? Ouais, il y a déjà deux matchs de fait là, il y a 1-1 là. Allez, ici un kick-off encore une fois remporté par Ace. Viking qui arrive malgré tout à centrer cette balle malgré le contre. Et c'est Dodon, oh là là, qui malheureusement termine son tir sur un poteau. Allez, ici là, Ace qui arrive à prendre une démo, qui arrive à passer reverse, mais ça ne suffira pas. Matteo qui ne pourra pas faire de double tap. Le triple commit de l'équipe bleue qui permet peut-être aux oranges de faire la différence ici. Effectivement. Là on a peur le triple commit qui malheureusement donne l'avantage à l'équipe orange, le temps de se repositionner. Et à ce niveau là ça pardonne pas. Hein. Allez, 2-0. 3 minutes 42. La reverse sur Matteo peut-être, mais malheureusement non. Allez, à l'équipe bleue maintenant d'imposer son rythme et de leur prouver quand même qu'ils sont présents, qu'ils sont là. Dodon qui prend un très bel arrêt ici. Viking qui la joue en l'air pour Ace. Dodon peut-être qui a quand même quelques ressources, qui pourra faire quelque chose de cette balle. Qui tente un tir, mais malheureusement, encore une fois, c'est pas suffisant. Le petit bump bien exécuté qui donne l'open à Matteo. Alors là, reverse qui vient bump et qui permet à Matteo de marquer. Allez, Ace ici qui a peut-être une opportunité. Mais c'est Liorzor qui va contrer Dodon. La Matteo peut-être qui va jouer sur reverse. Et c'est Viking qui arrive à intercepter cette balle. Matteo là qui a quelque chose à jouer. Ace qui empêche Matteo de faire quoi que ce soit. La Dodon qui tente une remise en jeu. Matteo qui a l'air un peu perdu ici là. Mais c'est Liorzor qui du coup va venir en aide à son collègue. Matteo sur le contre Ace. Mais encore une fois Ace qui remporte son contre. Viking qui malheureusement cut un petit peu Dodon et qui empêche de... qui empêche Dodon de faire son action. La reverse qui arrive à gagner un contre sur Viking. Reverse qui fait une passe à Viorzor. Malheureusement ça passera pas. Viking qui arrive à se... qui arrive à s'en sortir. Dodon sur Ace. Ace sur Dodon. Ici la Viking encore une fois miss un petit peu. Ace qui tente un tir mais c'est intercepté par reverse. La Dodon ici tout de suite sur le challenge. Mais reverse qui le remporte. Viking qui arrive à rejouer sur Dodon. Dodon qui arrive à faire une remise en jeu. Ici Viking a eu le boost de sang qui pourra peut-être prendre un tir. Et malheureusement non, c'est intercepté par Matteo. Encore une fois Liorzor ici qui a de la ressource. Il arrive à flick Ace. Attention mais c'est Viking qui bloque cette offensive. Reverse ici qui a été assez patient. Qui arrive à prendre le contrôle de ce ballon. Et qui essaye un geste mécanique. Qui fait une passe à Matteo et c'est but. Si on peut revoir ici la patience et le geste mécanique, le petit air dribble pour éliminer un joueur et qui arrive à passer et à faire une passe à son mate. Allez. Ici peut-être encore un autre but, mais ça passe pas. Viking qui tente une passe sur Ace. Ace qui tente le air dribble, mais malheureusement non, il a pas eu son reset apparemment.
La Matillo qui met un très gros tir reverse qui tombe. Quelque chose. Attention, le bump. Ici, Matillo pour le centre. Là, Dodon, vous ne récupérez pas Ace. Ace qui tente une passe sur Dodon. Dodon qui arrive à passer ici. Le Viking. Qui empêche l'équipe orange de passer. Sans forme les enjeux. Ouais, grave, là ça joue bien. Ça joue solide. Ici, une passe au mid pour Liorzor encore une fois. La contre-attaque qui a été assez rapide malgré une phase de siège assez importante. Ils ont quand même réussi à se dégager et à contre-attaquer. Allez. Est-ce que les bleus vont quand même réussir à marquer un but? Ici c'est bien arrêté. Viking qui va peut-être jouer sur le mur. Attention, ça part ses lignes. Musty. Et ça ne rentrera pas. Dodon là qui la remet en jeu. Liorzor qui tente de clear. Liorzor qui arrive à passer malgré tout. Mais c'est relancé par Ace. Allez, peut-être un centre à jouer ici. Liorzor leur dit non. Viking qui la relance. Qui tente un tir. Malheureusement, c'est poteau. Liorzor contré par Reverse. Reverse peut potentiellement faire quelque chose de ce ballon. Allez, Liorzor, mais Viking qui prend une très bonne démo sur le P3 qui va leur permettre de respirer et potentiellement même d'aller contre-attaquer. La Viking, je pense, qui a tenté un bump sur Matillo, mais ça passera pas. Reverse qui prend un bon compte pour Matillo, peut-être, et ce sera backboard. Ici, Liorzor qui allait marquer un but, mais le timer 0 seconde qui empêche ce 6ème but, il me semble, ou 7ème but. 3-4, ça c'est le 6ème but du coup. Voilà. Allez, là ce serait temps à l'équipe bleue de se reprendre en main. Ils arrivent à mettre une belle pression sur l'équipe orange, mais malheureusement il leur manque à chaque fois un petit truc pour marquer des buts. Ils ont l'air de miss un petit peu plus ou d'être un peu moins précis sur certains tirs. Après, encore une fois, rien n'est joué. Allez, on est reparti. Et ça attaque déjà fort après ce kick-off. Là, Liorzor qui fait une grosse remise en jeu, mais un peu fort. Matteo qui peut pas aller sur ce ballon. Allez, Reverse là qui tente un contrôle. Liorzor qui décide de prendre cette balle pour éviter de repasser devant les cages. Reverse qui va finalement contrôler. Viking qui va venir l'empêcher de contrôler cette balle. Et Reverse qui arrive malgré tout à passer. Ace peut-être ici qui va jouer le contre, mais malheureusement ça passe pas. Viking qui arrive à se positionner à temps et finalement ne pas donner l'open. La Dodon. Reverse qui tente de clear. Viking, je pense, va intercepter cette balle. Et malheureusement non. Liorzor qui tente de passer. Reverse qui arrive en soutien et ça passe pas, c'est un poteau. Matillo là qui va devoir temporiser. Dodon malheureusement qui mise cette balle. Et qui permet du coup à l'équipe orange de revenir. Matillo de prendre un très beau tir. Mais Dodon qui arrive à écarter ce ballon. Là Dodon qui allait tenter de partir en air dribble mais qui s'est fait contrer. Matillo là qui arrive à éliminer Ace. Mais Viking qui arrive à donner l'opportunité à son équipe. Et finalement le Ace shot. Le fameux Ace shot. De la part de Vicky. Ah non, c'est Ace qui redirect. Il y a eu ça, le Ace shot, ce que je disais. Allez, c'est parti. Matiola qui plante le ballon très rapidement dans les cages après ce kick-off très bien exécuté. On peut voir Liorzor très rapide dans les airs qui arrive à faire une balle mid pour Matio et Dodon qui a à peine le temps de se repositionner, qui se prend déjà un très gros cachou.
Allez, Dodon ici. Mais ça passe pas à Rivers qui arrive à prendre le contrôle de cette balle au backboard et qui arrive à l'emmener milieu de terrain pour Liorzor. Liorzor qui va peut-être jouer sur Rivers. Rivers peut-être qu'il va mettre l'open. Effectivement. Ah là là, on peut voir une très belle transi exécutée de la part de Liorzor et Rivers. Deux, hein, 3 minutes 28. Rien n'est joué encore pour l'instant. Ace là qui passera pas à Matteo qui l'empêche de passer. Rivers qui rate et Matteo aussi malheureusement. Dodon qui pourra peut-être faire quelque chose de cette balle. Finalement ce sera bloqué par Liorzor. Rivers qui arrive à l'envoyer directement dans le camp des bleus. Dodon qui va devoir défendre et qui arrive à pinch. Allez ici Dodon, t'as quelque chose à jouer, t'as beaucoup de ressources, fais un centre, fais quelque chose. Malheureusement ça passe pas. Ace qui tente de la reprendre mais ça passera pas. Viking ici. Pareil, malheureusement c'est Matteo cette fois-ci qui arrive à bloquer cette attaque et Dodon qui arrive à prendre un contre intéressant, mais Liorzor qui arrive à clear cette balle. Allez, Matteo ici qui va la récupérer. Que va-t-il faire de ce ballon? C'est finalement Dodon qui va le reprendre. Ace qui décide de la prolonger. Liorzor qui rate son clear et c'est le tir de Dodon qui va directement au fond des cages. Ici, on n'a pas la place à l'erreur. Hein. Chaque erreur est punie très rapidement. Là, Dodon qui ne pourra rien faire de ce ballon. Liorzor qui décide de pousser cette balle. Mais c'est Ace qui va empêcher. Malheureusement, Rivers qui la relance. Viking qui arrive à balancer encore une fois la balle dans le camp des oranges. Matteo qui arrive à bloquer Viking. Dodon qui arrive à relancer cette balle au mid. Mais c'est Rivers qui va la reprendre. Dodon encore une fois sur le centre. Mais c'est Liorzor qui va bloquer cette balle suivie par Matteo. Attention, la contre-attaque ici. Viking qui se jette un peu, je pense. Mais finalement, Dodon qui va réussir à temporiser, à récupérer cette balle. Et à permettre à son équipe de se repositionner. Là, je pense que le pinch a été tenté, mais malheureusement, ça passera pas à la Rivers qui prend un arrêt. Merci pour le follow, Anonymous. Allez, on revient sur le match, là, Dodon. Dodon sur Ace, sûrement. Ace qui se prépare à tirer. Malheureusement, c'est un poteau. Eliorzor, je ne pense pas qu'il aurait pu arrêter cette balle. Allez, Viking, là. Qui tente de s'en sortir, la Rivers qui tente de prendre cette balle, mais non, Dodon qui du coup l'intercepte, Dodon qui va faire le centre, je pense. Rivers ici, qui donne la balle à Viking, qui donne la balle à Ace, Ace encore une fois, qui n'arrive pas à marquer ce but. Allez, Dodon qui tente de faire un centre, il a plus de ressources, ce sera pour Ace, mais malheureusement contré par Rivers. Encore une fois, Viking qui tente un tir, mais c'est Rivers qui arrive à prendre cette balle et même carrément prendre quasiment un tir. Dodon là. Qui tente de pré-shot le sailing, mais ça passe pas. Viking qui fait une remise en jeu pour Ace, mais ce sera non, ce sera un tir directement sur le poteau bleu, malheureusement. Mais c'est Liorzor qui arrive à temps et qui arrive à marquer cette balle. Allez, 0,57 secondes. Là, c'est le match de BO pour l'équipe orange. Les Ace là qui arrivent à prendre ce ballon pour Viking. Viking qui va tenter de passer Rivers, mais ça passera pas. La balle part au mid. Heureusement que Dodon a été le démo ici. Je pense que sinon, ça donnait un but à son équipe. Là, Matteo qui fait une relance, mais c'est Ace qui arrivera à prendre cet arrêt. Ace sur Viking, Viking qui je pense rate la balle, enfin la passe je veux dire sur Ace, Dodon qui tente une relance. Mais c'est Matteo qui va la bloquer, Matteo malheureusement qui met la balle directement sur les routes Viking. Ici le clear, attention à la contre-attaque encore une fois, l'équipe bleue qui a presque pas le temps de se repositionner. Et effectivement on peut voir une contre-attaque encore très bien exécutée et très rapide qui empêche la défense bleue de se repositionner. Et avec un angle malgré tout quand même qui est pas évident à mettre. Allez, 10 secondes, là il faudrait 2 kick-off goals pour l'équipe bleue pour se remettre dans le match. Oh, merci pour le don, Kawa, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Aïe, 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 malheureusement, là, je pense que le match est joué. Là, le monster clear de Matteo et Ace qui n'arrive pas à récupérer cette balle.
Alors là, le retour n'est plus possible, malheureusement pour l'équipe bleue. Allez, attention à ce kick-off là. Lyorzor qui tente un tir direct, mais qui malheureusement va sur le poteau là. Dodon qui va devoir contrer Rivers et il y arrive. Viking qui va tenter de jouer sur Ace et non, malheureusement la balle touche le sol et donne la victoire à son équipe. Alors, comme je vous l'avais dit, un très très gros match. Il y a eu des beaux plays des deux sens. Et malgré tout, l'équipe Rivers Matteo Lyorzor qui a réussi à faire la différence malgré des grosses phases de siège quand même, malgré tout, de la part des Bleus qui à chaque fois malheureusement soit missent quelques tirs ou ont fait des poteaux là où la balle aurait dû, je pense, rentrer directement dans les cages. Et ce qui a permis du coup à la line-up 6 d'offrir de grosses contre-attaques et finalement d'aller chercher des buts. Ah, quand même, féliciter les joueurs. Ah là, on sent la déception de Ace dans son bof. Allez, c'est pas grave, c'est le jeu. Je leur demande s'ils veulent débrief sur le live. Oh bah super. Décidément, Rocket League la censure toujours plus. Hein. Est-ce que on doit avoir un petit débrief sur le live ou pas? Ace, Toto. Allez, je vais aller le voir. Mais ils t'ont pas dit, ils ont mis du béton dans les cages. Il y a un portugais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh, le portugais. Pourquoi Ah, si, c'est. Allô. Yes, ouais. Comment ça va? Bien, bien. Bien, bien. Bon match, les gars. Merci. Dites bon coucou match, à la caméra. Coucou. YouTube. C'est la télé. C'est la télé. J'ai dit des trucs à ma line-up qui ne devront jamais ressortir, donc je les dirai pas ici. D'accord. Ouais, non, ne fais pas ressortir ces phrases. Non, tu dis jamais. Ne fais ni entrer ni sortir quelque chose, arrête. J'ai envie de le dire. Non, on n'était pas. Il n'y avait pas les voix des joueurs sur le stream quand même. Ah non, bah non, il n'y avait que moi. Oh, t'imagines? Il n'y avait personne pour cast avec moi, malheureusement. T'imagines le je vais te sucer. Bah là, par contre, du coup, c'est record sur le stream. Ah merde, ah oui, c'est vrai. Mutez lui ressort. Allez, hop, c'est fait. Non, arrêtez. Bah, je suis toujours vrai, mute là. Non, il était pas mute. Game 2, on le mute et on gagne. Genre, trop bizarre. C'est fou, hein. Dès qu'il ferme sa gueule, on joue mieux. Je te jure. Alors, Vincent, vous en avez pensé quoi de votre match, les gars? Oh, franchement, première game compliquée. Moi, j'étais pas du tout dedans. Ils nous ont mis une pression de fou. Ouais, ils mettent une grosse pression, hein. Ouais, deuxième game, ultra serré, mais on s'en sort bien. Je pense une bonne réussite. Eux, beaucoup moins de réussite. Je crois que. Petit tatillonnage de barres et de poteaux, ça a caressé les montants, quoi, un peu. Puis voilà, ouais, bah, on a déroulé, on a changé complètement notre rythme de jeu. Ouais, c'est vrai, ouais. On a vachement plus à outspeed et tout. Et par contre, juste la dernière game, je trouve en vrai que le score, il est assez sévère par rapport à ce que vous avez mis en... à ce que vous avez mis en pression, en vrai, aussi. Ouais, c'est vrai, quoi. Il y aurait eu un 4-3, ça aurait été...
ça aurait été pas mal, je pense. Parce qu'à plein de moments, en fait, comme on a pu voir, genre l'équipe Ace Dodon, on fait à chaque fois des grosses, grosses phases de pression. Et genre à chaque fois, c'est soit en poteau, c'est... crossbar et tout. Et au dernière final, game, vous arrivez juste, par exemple, à prendre un clear, une contre-attaque. Et à chaque fois, ça faisait un but, deux buts, trois buts, malgré les phases de pression qu'ils arrivaient à installer. Quoi. Sur les contre-attaques, là. C'est vrai ah ouais, non, ouais, c'est vrai. Là, en fait, vous avez juste puni. Quoi. Ils ont pas réussi à marquer, derrière, c'était punition. Quoi. Ah, c'est pas pour dire, mais les contre-attaques... C'est un spécial de Mathieu, ça. Quoi? Non, mais non. Ah, mais sûr, ça va. C'était un beau BO. Du bon jeu. Ouais. Très content de ces matchs. Je les ai en record, si quelqu'un les veut, d'ailleurs. Bon, on le sait aussi. Ah, ok. Pour une fois. On va être obligé. Ouais. Ah oui, c'est vrai, mais... Bah, par contre, moi, il me manque deux matchs contre la line-up à Airtil. Non, mais je crois eux ils les ont tous, ils avaient dit qu'ils avaient tous, je crois. Ouais, ah. Ils avaient dit qu'ils avaient. Mais les nôtres? Oui, le match qu'on a fait contre eux. Bah, parce que moi ils m'en ont envoyé 3. Les 3 qu'on a win. Mais Ils ont tout. Ok, d'accord. Très bien. On peut envoyer avec lui, il me semblait qu'il avait dit qu'il avait tout. Peut-être, c'est possible. Bon bah, Kessmod avait bugué sur ce tournoi ouais, d'avant. Ouais. Ok. Un peu deg. On fera le match contre la team Axerati demain. D'ailleurs, ouais. Dodon Ace, vous avez fini vos matchs, vous, il me semble. Ouais, mais ça y est. Ça va quand même, vous avez fait 3 matchs, 3 matchs de victoire. Enfin, 3 matchs de victoire, c'est beau déjà. C'est passé. Dodon, l'éternel ah, c'est la mentalité qu'on aime. Petite interview à chaud des athlètes. Bah, il faut bien. Vous aurez votre chance en finale. Il y a le patron qui vous regarde, les gars. On va la reprendre la revanche, t'inquiète. Ouais. Ça qu'on va. Quand je savais que vous alliez être solide et puis je suis pas déçu. Ouais, super team. En plus, on avait déjà joué contre vous. Je savais que vous étiez bien énervé. Franchement, la 0 ligne, le truc totalement random quoi. Ouais, franchement, c'est cool ce que tu dis parce que honnêtement, on s'est fait très peur contre la line-up Airtil. Ouais, non, mais totalement. Du coup, c'est vrai que en rentrant dans un match comme ça, après ça. Il y avait un petit peu de pression au départ. Perso, je parle pour moi en tout cas. Vous avez fait 3-2 aussi, et j'ai regardé le match. Vous n'étiez pas au même niveau que ce soir. Là, vous ah oui, totalement. La bande d'enfoirés, vous n'auriez pas pu être tranquille là. Pépère, on se pose. Ah, ça, c'est vrai, par rapport au match d'hier soir. En pression contre la team Airtil, puis contre nous, ils se disent tiens, on va peut-être rejouer normalement à fond là. Ouais, ouais, toi, ils font pas de cadeaux, c'est normal. Hein. C'est aussi ça le but. Hein. Je verse des pots de vin, c'est Raco aussi. Ah bah c'était pas assez je pense. C'était pas assez pour eux. Ah. Le chat m'informe que Dodon a un kebab à payer. Ouais, t'as vu? Oh, c'est beau ça hein. Tu me payes ton kebab hein, Dodon? Ah ouais. Oh j'ai rien à voir là-dedans. Je te jure. Oh là là. Bon par contre les gars je vous le dis tout de suite. Le training ce soir ça va être compliqué. Demain je me lève super tôt. Je suis KO. La semaine est en train de me tuer, c'est même pas fini quoi. Bah super. Ah ouais mais gros, quand tu reprends le taf au bout de 3 mois, t'es pas bien hein. Ah ça je veux bien te croire. Ouais comme d'hab. Vous avez fait une petite session d'avant-match ou pas vous? Ouais toujours. Ok. Vous avez fait une petite session Sea of Thieves aussi. Petite, il y a pris 6 heures à peu près. Ouais, à peu près. Mais ça me fait chier parce que depuis que je reprends le travail, j'ai plus de temps pour Forza. Ah c'est mince alors. Ça te flinguait trop les yeux, après t'étais mauvais à Rocket League. Allez, bim, ça c'est dit. Eh, c'est pas pour me défendre, hein. Mais à ce qui paraît, il y a beaucoup de problèmes qui venaient de mon USB. Hein. USB est aussi bancal que le joueur, putain de merde. Bah, en même temps, c'est... Du coup, c'est dur d'être moins blanc que lui, j'ai envie de te dire. Hein. Moins blanc? Moins quoi bancal. C'est raciste? Ah. C'est dur d'être moins blanc, comment tu sais ça déjà? Un petit doc qui me l'a dit. Bon, sinon, on a été très content de se faire cast par Donald Duck. Merci, mec. Donald Duck, carrément, bah super. Super. Désolé, j'ai été obligé. Alors, quoi. Sniper, là.
Déjà, j'étais obligé quand j'entendais la voix de. Sur le stream, après c'est peut-être ton micro, hein, mais bah, sur Discord, hein. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais? C'est vraiment bah, sur. C'est vrai. En stream. C'est vrai en plus. T'as vu? Ouais, d'accord. C'est même ça, ça fait pas une voix de canard sur le stream. Mais sans offense, hein. C'est juste. Parce que question canard, tu connais quelque chose quand même. Ah bah oh surtout lui, hein. Ah, c'est pas être canard, c'est je suis une grosse victime, Sarah, ça. C'est... Ah, c'est... Ça, c'est le lui. Le drama s'installe dans l'équipe. Et ouais, il mérite d'être honnête. Oh bah super. Mais ouais, sur Discord ça fait pas du tout la même chose. Ça se trouve il a fait exprès pour troll. Et par contre, hein. J'ai mis un... Alors, un voice vous de... allez me dire si j'ai entendu des fantômes ou pas. C'est peut-être possible. J'ai eu l'impression d'entendre Spolux parler pendant qu'on jouait. Genre 2-3 secondes au début du match, du premier match. C'est dans ma tête ou pas? C'est dans ta tête. Je pense, ouais. Mais tu t'as pas activé un truc... T'as pas activé un truc Rocket League où on t'entendait? Ah non, du tout. Non, ou soit avec moi, je crois vraiment que t'as des gros problèmes de santé. Soit mentale, j'ai une théorie, c'est Rivers, tu regardais le live sur ton téléphone. Non, je sais pas, je propose. Ah. Et il y avait le son du live. Bien sûr, toujours aussi décalé. Bon, en même temps, encore une fois, c'est pas dur quoi. Bien sûr, il voulait stream avec le match. Bah, comme Dodon, hein, tu sais. Enfin. Tu stream avec le match, putain. Genre, tu joues à un match aussi. Tu sais, là en mode, ouais, Lurzor a plus de boost, Lurzor a plus de boost. Quel connard. Je te jure. Bon. Je vous jure. Allez, attendez, moi je vous laisse 30 secondes, je repasse. Vas-y. Elle est où mon assiette? C'est quoi, une crêpe partie? J'ai trop faim. Paf. Allez, du coup, on va s'arrêter là. Voilà, on a pu débriefer un petit peu, discuter un peu avec les joueurs du tournoi. C'était bien sympa. J'espère en tout cas que les matchs de BO vous auraient plu. On a quand même eu des matchs vraiment très, très hauts en couleur et en rebondissement. Là, du coup, les prochains matchs dans la semaine, il y en a quelques-uns. Mais moi, je pourrais pas les stream parce que je serai au travail. Donc après, peut-être qu'il y aura un autre membre de la Reaper qui pourra s'en charger. En tout cas, j'espère que les matchs vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine, du coup. Ou à je sais pas quand. Allez, bye.